Come to the board. On. Pray for me. On. Le général de corps d'armée Namori Traoré. Messieurs les représentants des états-majors particuliers. Messieurs les représentants, de l'Assemblée nationale. Honorable Demba Fadiga, honorable Adja Genesaran Kamara. Monsieur le secrétaire général de la fonction publique, Monsieur Mohamed Lamine Camara, inspecteur général d'État adjoint de la présidence. Monsieur Antonio Soare, président de Seguifou. Madame l'inspectrice générale de la police et de la protection civile. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Monsieur le chef de cabinet. Monsieur les conseillers spéciaux. Madame l'inspectrice générale de la police et de la protection civile, Monsieur l'avocat général de la Cour suprême, Monsieur Mundjour Chérif, avocat général, Monsieur Doura Chérif, Docteur Awada, directeur général de l'hôpital Ignace Dine, Monsieur les directeurs généraux de la police et de la protection civile, des renseignements intérieurs, Monsieur le directeur général de la police, des renseignements intérieurs et de la sécurité publique, de la protection civile du moins. Monsieur le directeur général de l'école nationale de police, Monsieur les directeurs centraux, Madame la DAP, Mesdames et Messieurs les hauts cadres des services de sécurité, police, gendarmerie, Monsieur le représentant du haut commandant de la gendarmerie nationale, chers parents des défunts, amis et collaborateurs, mesdames et messieurs, par votre présence, merci d'avoir honoré la présente cérémonie. Excellences, Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le samedi 3 novembre 2018, l'éminent officier de police Paul de Moussa Silla tirait sa révérence à l'hôpital militaire de Rabat au Maroc. Le 8 novembre, le brigadier chef Bakary Camara fut lâchement assassiné alors en service au niveau de Wanindara. Excellences, Monsieur le ministre, vous avez tenu à leur rendre un hommage le plus mérité. Au nom de la police guinéenne, les collaborateurs, parents, amis et anonymes, à leur rendre un dernier hommage par l'organisation du présent symposium avant leur inhumation le mardi 3 novembre successivement à Kindia et à Wourekaba à Mamou.
À cette occasion, Excellence Monsieur le Ministre, permettez de recevoir très respectueusement la rentrée des corps sous la présidence de Monsieur le Ministre de la Défense nationale. Amis, frères, pleurons la mort d'un de nos célèbres et distingués fils qui rejoint définitivement le royaume du silence éternel. Monsieur Fode Moussa Sylla est né en 1945 à Kindi, à Tafori. Très tôt, Fode Moussa Sylla fut inscrit à l'école primaire de Kindi. Après avoir suivi une initiation précoce à l'islam auquel il demeura profondément attaché toute sa vie durant. Son initiation à la lecture du Coran et de son attachement à la pratique religieuse ont été un appoint considérable pour la maîtrise de sa formation scolaire. Il est admis au lycée classique de Donka en 1960-1964. Au terme de ses études secondaires, il est admis pour une formation policière à Prague, en République de Tchécoslovaquie. Parcours administratif. En 1967, il est nommé commissaire de police à Fria. En 1977, il est nommé commissaire de police à Conakry 1. En 1982, nommé directeur de la police judiciaire. En 1985, directeur de la police de l'air et des frontières. En 1982, directeur de la sûreté de Conakry. En 1986, nommé directeur général de la police nationale, poste qu'il occupera jusqu'au 31 décembre 1999, l'année à laquelle il serait rappelé, il fait valoir à ses droits à la retraite.
Il serait rappelé à cause de ses compétences et de son expérience en qualité de conseiller de Monsieur le Président de la République chargé de la sécurité. Marié et père de 4 enfants vivants, dont 2 fils et 2 filles, il laisse derrière lui une brave épouse. Fodé Moussa Sylla, à l'instar de tant d'illustres disparus, a rempli sa vie d'œuvres utiles, s'est distingué parmi ses prouesses morales et intellectuelles qu'il a mises au service de la nation. Son sens de l'humanisme envers ses prochains, son amour pour la patrie, son attachement inconditionnel au travail bien fait, lui ont valu respect, admiration et considération de tous ses collaborateurs. Modéré, modeste, lucide, en toute épreuve, Fodé Moussa Sylla a toujours servi avec loyauté, amour et détermination l'institution policière. Ce corps du service duquel il n'a ménagé ni savoir ni son savoir-faire accumule au prix d'immenses sacrifices. Toujours attentif, serein, il a su influencer très positivement le fonctionnement normal des services de police en prenant une part active dans la définition des grandes stratégies, programmes de lutte contre le phénomène des sociétés qui ont contribué et qui contribuent à entretenir l'insécurité dans notre pays. En début de ces charges administratives lourdes, complexes, Fodé Moussa Sylla a su, dans son style qui lui était particulier, créer autour de lui un environnement professionnel serein qui, en fait, n'est qu'une tribune de donner et de recevoir au cours de laquelle il émettait ses avis, ses réflexions sur les grands problèmes de sécurité auxquels notre pays est confronté. Son amour sans réserve pour la police nationale a fait de lui un cadre solidaire et fraternel qui prônait l'esprit d'équipe. Il aimait toujours rappeler qu'il demeurera un interlocuteur attentif à toutes les idées susceptibles de renforcer la cohésion, d'accroître le rendement sur le terrain dans le respect de la hiérarchie. Fodé Moussa Sylla, il nous paraît opportun de rappeler certaines de vos idées forces. J'en rappelle à la conscience pratique, professionnelle de tout et de chacun afin que nous donnions la main pour mériter la confiance du général Lansana Conté et du peuple de Guinée. Chacun de nous, à son poste de travail, considère comme le premier concerné par la réussite de notre mission commune, qui consiste à sécuriser l'État guinéen, les institutions, les personnes et leurs biens. Dans le territoire national, dans les villages, les CRD, les communes, les préfectures et chefs-lieux des régions administratives, et plus particulièrement dans la capitale Conakry. Aucune parcelle de terrain ne doit être concédée à ceux qui, sans foi ni loi, violent et tuent les citoyens qui ne souhaitent que vivre dans la paix et dans la quiétude. Fodé Moussa Sylla, nous te pleurons et sois rassuré que, frères collaborateurs et compagnons de lutte que nous sommes, prenons l'engagement et poursuivre tes œuvres. Et prions le Tout-Puissant Allah, comme tu aimais le rappeler toujours, et cultiver chacun dans nous l'amour de la patrie et de la profession, et de nos semblables, afin d'élever les intérêts de la nation guinéenne au-dessus des intérêts personnels, pour ceux qui vivent, prospèrent de notre chère patrie, la Guinée. Que ton âme se repose en paix et que la terre de la Guinée que tu es servi avec loyauté, abnégation, que soit légère. Amen. Oh! Son amour.
L'homme sur le port. Oh. Froidement assassiné ce jeudi 8 novembre 2018 à Wanindara, alors en mission de sécurité dans le cadre du maintien et du rétablissement de l'ordre. Le brigadier-chef Bakary Camara est né le 1er janvier 1979 à Mouré-Kaba. Brigadier-chef Bakary Camara était de la CMIS numéro 3 de Anko 5. Marié, père de 3 enfants. Après sa formation professionnelle à l'École nationale de police, il fut mis à la disposition de la CMIS numéro 3. Ses chefs directs retiennent de lui un agent correct, discipliné, engagé, qui n'a jamais failli à sa mission. Sa perte brutale est aujourd'hui ressentie par l'ensemble des agents, officiers, sous-officiers, la police guinéenne, la police, l'ensemble des forces de défense et de sécurité, le peuple de Guinée. Par Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, cette perte doit davantage galvaniser la troupe. Nous restons et demeurons républicains au service de la nation, a dit et promis la police guinéenne. Ta mémoire sera honorée par nos actes, nos interventions au quotidien. Tu n'es pas mort pour rien. Ta mort est un exemple. Le brigadier-chef Bakary Camara, l'ensemble de tes collaborateurs promotionnaires, pieusement s'indignent de ce lâche assassinat et s'engagent à honorer ta mémoire par l'engagement ferme qu'il promet d'user sur le terrain. Tu n'es pas mort, tu ne mourras pas. La flamme restera jamais allumée et protégée. Nous nous inclinons pieusement sur ta dépouille symbolique pour la police guinéenne, à ton épouse, à tes enfants, nos sincères condoléances, notre regretté frère de combat, adjudant-chef Bakary Camara, rejoindra son village natal à Wouré-Kaba, à 65 km de Mamou, où il sera enterré à jamais auprès de ses devanciers parents. Paix à l'âme de l'illustre disparu, nous te resterons reconnaissants, mon frère Bakary Camara, tu n'es pas venu pour rien. Ton passage sur cette terre bénie de Guinée a été cette coupe, mais pleine et entière. Adieu, mon frère Bakary, le brigadier-chef Bakary Camara. Monsieur Fode Moussa Sylla, c'est avec plein de tristesse et d'émotion que nous sommes tous réunis aujourd'hui, ce lundi 12 novembre 2018, pour te rendre un vibrant hommage de reconnaissance, pour t'honorer, honorer ta mémoire, toi, oui, toi, parce qu'il s'agit de toi, mon frère Fode Moussa Sylla, toi que la mort a arraché à notre affection ce samedi 3 novembre 2018, des suites de maladie à l'hôpital militaire de Rabat au Maroc, loin de ta patrie. Ta perte est un moment difficile pour la police nationale, ta famille, parents et alliés, pour la population de Tabouna, de Kindia, de la Guinée tout entière. Éminent officier de police que tu fus, toi qui as gravi tous les postes de la police, notamment commissaire central de Fria, directeur de la police de l'air et des frontières, chef sûreté de Conakry, directeur général des services de police, oui, te voilà couché à chemin pour le repos éternel que tu mérites. Maintenant que c'est fini, ce qui est fini, maintenant que le vide est vide, maintenant que nous sommes tous réunis autour de toi, mon frère Fode Moussa Sylla, je croirais manquer à mon devoir si je ne venais, malgré mon émotion, avec la permission et au nom du ministre de la Sécurité, de la Protection civile, du secrétaire général, du chef de cabinet, de madame l'inspectrice générale, des directeurs centraux, commissaires centraux, hauts fonctionnaires de la police et de la protection civile, officiers, sous-officiers, te dire adieu. Toi qui t'es donné totalement à la charge de responsable de police, je veux respectueusement présenter à leur nom tout de suite, ici, à la famille éplorée, les sincères et affectueuses condoléances. Ta mort, hélas,
si sensible à atteindre douloureusement la famille policière. Ta police que tu as servi sans relâche, avec abnégation, courage, amour et détermination, nuit et jour. Ta police, toute la police est sous le choc, car tu fais un exemple de service, un membre actif de la vie de la police nationale, un responsable chevronné. Mon frère Fode Moussa Sylla, chef valeureux et exceptionnel tu fus, toi qui as bâti ta réputation sur ton professionnalisme, ton engagement, ton sens du devoir, ta disponibilité, ta culture de servir et de bien servir, ta soumission, ce qui t'a valu d'être reconnu comme tel et d'être reçu le plus souvent au quotidien par le président de la République d'alors pour des échanges, pour recevoir de toi des conseils en matière de sécurité et autres, car tu étais dans l'esprit de l'application des principes, des lois et règlements, un conseiller, pas des moyens. Tes qualités ont de toute évidence accru ta popularité. Tu fais un exemple, un bon exemple, une référence, une lumière pour des nouvelles générations de policiers que nous fûmes. Un exemple pour ce que tu as été pour la Guinée, sur les valeurs que tu as incarnées, portées et défendues. Nous avons un devoir d'hommage et de solennité. Ainsi en a décidé Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ta police, ta famille doit recevoir les marques concrètes de notre reconnaissance. Oui, nous te le reconnaissons ici et ailleurs. Nous te reconnaissons notre respect. Ta grandeur est grande. Tu sais, mon frère, malgré ce que tu fus, ce que nous sommes, sache que nous sommes de ce monde, nous ne sommes pas ce monde. Malgré notre vécu, nous partirons un jour. Aujourd'hui est un jour que Dieu a choisi pour toi. En le rendant grâce, nous souhaitons tous être comme toi, comme tu le fus, vaillamment pour toi. Ta famille de Tabouna, de Kinéa et d'ailleurs accompli notre devoir avant le jour fatidique, vaillamment, inexorablement. Mon frère Fode Moussa Sylla, c'est avec humilité, respect et considération que je prononce ton nom, mon idole, mon conseiller, mon confident. Nous sommes tous là pour te dire merci pour le travail bien fait rendu à ta nation à travers la police. Nous sommes là pour te dire un au revoir. Une bibliothèque a brûlé, un baobab s'est couché plus haut que debout à jamais, un homme s'en est allé vers le Créateur, notre Créateur, sans crier car, loin de ta ville natale. Il nous est difficile d'accepter ta mort alors que tu es tellement vivant dans nos cœurs et dans nos souvenirs. Tous ici réunis, ton ministre, collaborateurs, des anciens avec lesquels tu as formé la première promotion de la police nationale guinéenne. Oui, tous sont là. Tes parents et amis, tous frappés dans l'âme. Nous sommes autour de toi pour te dire encore et encore merci pour ce que tu fus. Merci pour le travail accompli. Ma référence, mon exemple, à l'heure de notre séparation, sache qu'il ne restera de souvenirs innombrables de toi pour alimenter chacun de nos jours de vie jusqu'au jour de notre mort. Car la vie ne dure qu'un instant, nous ne t'oublierons jamais puisqu'il faut mourir un jour. Nous allons apprendre à vivre comme toi. Ton exemple qui est un exemple ne mourra pas en nous. Oui, mon frère Fode Moussa Sylla. Mon frère, s'il y a une vie après la mort, eh bien, je me réjouis de te dire un jour et nous fêterons la fête de l'éternité. Tu es maintenant sur l'autre rive et tu reposeras dans l'éternité à jamais conscient d'avoir accompli ta mission. Nos sincères condoléances à tes enfants et parents de ton Kania natal, de ton Tafouri où tu reposeras à jamais auprès des siens. Nous remercions Dieu que tu as passé un petit moment dans notre vie, dans ce babouin. Que la terre de Guinée que tu as tant servi t'accueille dans la douleur, dans la douceur. Toi qui marchais gaillardement avec ta canne, avec élégance, assurante, voilà venu le temps de te reposer à jamais. Dors en paix et à jamais. Dors à jamais, mon frère Fode Moussa Sylla. Dors bien, mon frère Fode Moussa Sylla. Adieu, voyant guerrier de la paix. Adieu, mon frère Fode Moussa Sylla, le talentueux. Je vous remercie. Car selon le commandement de Dieu, tout ce qui vit meurt, ne meurt que ceux qui ont vécu. Je commence mon témoignage par cette vérité venant du Tout-Puissant et par une parole de sagesse africaine qui dit que le monde qui participe au baptême d'un nouveau-né
est un monde que ses parents auraient réuni pour la circonstance. Mais le monde qui participe aux funérailles d'une personne est un monde que cette personne aura elle-même cherché durant sa vie. Voilà, mon frère Fode Moussa Sylla, autour de moi, ce beau monde venant de divers horizons de la Guinée que tu as cherché et préparé durant ta vie dans ton milieu familial, social et professionnel pour aujourd'hui, quand tu n'es plus avec nous, quand tu ne vois plus comme nous, quand tu n'entends plus comme nous, mais dans l'au-delà, tu observes tout. Certes, nos âmes et nos cœurs sont brisés par la douleur de ta mort, mais cette forte mobilisation pour ta cause réconforte les parents, les proches, les collaborateurs, les amis et les admirateurs que nous sommes, pour dire et témoigner ici haut et fort que ta vie a eu un sens, que tu n'as pas vécu pour rien, que les liens de fraternité et d'amitié que tu as tissés de ton vivant demeurent après toi. Quelle belle destinée ici-bas de la part de Dieu et que nous te souhaitons le même bonheur dans l'au-delà. Nous sommes aujourd'hui des milliers d'hommes et de femmes à pleurer ta mort, si d'ailleurs tu es mort, car tu resteras dans notre mémoire, dans nos esprits, jusqu'à la fin de nos jours aussi. Les valeurs humaines que tu as incarnées continueront à nous servir dans notre métier de policier et de pompier. Tu es né Fode Moussa Sylla, mais en vérité, tu es Fode Moussa Police Sylla, car tu as consacré ta vie et ton énergie à cette police dès lors de l'indépendance de la Guinée et qui te rend aujourd'hui son ultime hommage pour le devoir accompli au service de la nation et du peuple combattant et martyr de Guinée. Cette police que tu as servi avec loyauté dans le respect des différences entre les âges et les générations. Nous nous souvenons de toi comme d'un homme franc et juste qui répugnait l'injustice, qui reconnaissait la valeur du bien d'autrui et qui n'a jamais voulu changer le bien en mal. Par ton franc-parler et ton courage sans faille, tu as forcé le respect et l'admiration de toutes les générations de police, même celles qui sont nées quand tu exerçais déjà le métier. Le jour où la police nationale guinéenne disposera de son propre musée d'histoire, ton nom y sera gravé à jamais en lettres d'or, comme ceux d'autres pionniers dont Elhadji Bella Touré, Ibrahima Sori Diaby, Bakary Kondé, Bakary Keita, Lai Lansana Camara, Ibrahima Dieng, Ousmane Camara américain, Cheikh Boundou Camara, Franck-Thomas Kourma, etc. Un souhait que j'exprime ici ce matin, à cette tribune, pour consacrer les 60 ans de la police guinéenne, 60 ans pleins d'histoire et d'exploits, dont il ne doit pas y avoir de zone d'âme. Et je souhaite que la création de ce musée soit à l'honneur de mon très cher frère, M. Alpha Ibrahima Keïra, aujourd'hui ministre de la Sécurité et de la Protection civile, dont l'action s'inscrit dans le prolongement de celle de tous ses prédécesseurs morts comme vivants. Cher Fode Moussa Sylla, tu as su, grâce à ton tempérament d'homme de consensus, ton talent de médiateur hors pair et ton sens de la communication, incarner les jeunes et concilier les anciens au sein de notre police. Je me souviens encore, lors des réunions techniques avec Feu Alcène René Gomez, alors ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ou avec Feu Kissi Camara, alors directeur général de la police nationale, quand une question embarrassait tout le monde, on attendait le point de vue de Fode Moussa Sylla qui, dans la plupart des cas, convenait à chacun. Après de longues années de service couronnées de succès, tu as préféré rejoindre ta ville natale Kindia, qui t'a vu grandir pour jouir là-bas de ta retraite bien méritée, malgré le poids de la maladie qui t'a affecté ces dernières années. Aujourd'hui, la police nationale guinéenne et la protection civile, les deux composantes du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, se doivent de parler de toi, chanter tes louanges, te rendre hommage à l'instar d'autres illustres disparus de la grande famille policière dont le temps ne permet pas de citer ici. Au nom de toutes les jeunes générations et de toutes les générations de la police nationale guinéenne, pour qui tu fus un modèle et un protecteur,
nous nous inclinons devant ta dépouille pour dire que nous ne t'oublierons pas. Repose en paix, cher frère Primus Assila. Je vous remercie. Corporation de la police nationale, à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à tous les proches et amis qui ont bien voulu faire le déplacement pour rendre un dernier hommage à notre regretté directeur général des services de police, Fodé Moussa Sylla. On dit que la mort est la loi la plus cruelle de la nature, impitoyable, implacable et d'une patience hors du commun. Elle frappe sans état d'âme, sans crier garde, tout ce qui crie. Dans sa marche inexorable, elle n'épargne ni riche, ni pauvre, ni enfant, ni vieillard. Elle est en fait le bras armé du Tout-Puissant qui, par la mort, rappelle à toutes ses créatures que nul n'aura accès à son royaume sans passer par cette épreuve. Alors face à un tel destin, la seule alternative qui s'offre à nous est la foi en Dieu, l'adorer et faire du bien. Ceux qui vivent sont non seulement responsables d'eux-mêmes pour avoir une fin honorable, mais aussi des morts en accomplissant des rites pour la paix dans l'au-delà. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit justement dans l'accomplissement de cette responsabilité, ce devoir ultime à l'endroit de l'un des dignes fils de cette nation qui a servi avec amour, loyauté et abnégation ce qu'il avait de plus cher, sa patrie, la Guinée. Ce fut en 1965 qu'au nombre de 30 jeunes, nous avons été recrutés après une sélection rigoureuse et envoyés en Tchécoslovaquie pour une formation initiale de police de 2 ans durant lesquelles nous nous sommes découverts et avons mené une vie commune marquée par une solidarité et une amitié à toute épreuve. C'est à l'occasion que le groupe a remarqué l'existence en son sein d'un maigrichon, esplègue et très bruyant. Comme il bougeait beaucoup, il mérita de ce fait le nom de Pierrot le Fou. Chargé de l'information, il devait tous les matins faire la synthèse des différents quotidiens et tenir informé le groupe de l'actualité. Il en fut ainsi jusqu'au terme de notre formation. Notre retour au pays, 1967, le groupe éclate et 27 sur 30 sont mutés à l'intérieur. Fodé Moussa Sylla se retrouve au commissariat de police de Fouillard où malheureusement il fit un accident de route dont les séquelles lui seront finalement fatales. Mais de Fouillard, il est successivement muté à Conakry, Boké et enfin à Conakry. C'est au courant des années 80 qu'il marqua bien sûr personnel le destin de la police guinéenne en assumant les fonctions de chef de sûreté urbaine de Conakry, de directeur général des services de police et enfin conseiller à la sécurité du président de la République avant de faire valoir ses droits à la retraite. La disparition du directeur général des services de police, Fodé Moussa Sylla, laisse un grand vide. Il faisait partie de ceux-là qui faisaient la fierté de la police guinéenne. Il s'en est allé riche d'un passé jalonné d'exemples, d'efforts, de courage et de ténacité, mais aussi et surtout d'un profond amour pour la justice. La grandeur et l'honneur de la police, il ne les a pas seulement glorifiés, mais il en a fait le cœur de son engagement obsessionnel pour la police. Ses valeurs, il les a incarnées, leur a donné son visage, son sourire, sa voix. Dans cette douloureuse circonstance, nous gardons le souvenir d'une personne au professionnalisme admirable et qui a suscité le respect de tous ses collègues. Il continuera à vivre dans nos cœurs. Au nom de l'ensemble de la promotion de Prague, la promotion, je te souhaite le repos éternel. Amen. Au nom de toutes les CMS, particulièrement la CMS numéro 3, pour donner notre témoignage suite à la disparition stratégique de notre cher collègue. Bakary K.
Camara, brigadier chef de police, n'est plus. Dans son sobriquet, entre nous, on l'appelait lieutenant Bakary. Bakary, comme tous nos chers collègues, installé depuis le 28 septembre 2009 dans les différentes CMS, Bakary était un homme exemplaire. Très compatriote, social, discipliné, disponible. Avec sa bravoure, il se faisait distinguer parmi nous, aux yeux de nos chefs, ainsi que nos camarades entre nous. Très social. Il suffit de lui poser votre cas spécial pour que Bakary soit à côté de vous. Et c'est ainsi, va la vie, comme le disent les autres, que quand l'homme est bien et très bien important, il ne dure pas longtemps. Bakary nous laisse aujourd'hui un grand vide, un très grand vide, de toute la police nationale guinéenne, de sa direction générale, de la direction centrale des CMS, mais aussi la CMS numéro 3 en conseil. Ce matin du 8 novembre, dans sa mission régalienne, Bakary disait, comme pour protéger sa propre famille, en prenant son téléphone, il appelle son grand frère. Ah, c'est pour vous informer qu'aujourd'hui, la route de Wanindra est pratiquement impraticable. Comme s'il mettait sa famille à l'abri. Hélas, c'est lui qui fut tombé suite à ses disparitions. Chers frères, chers collègues, Bakary, par sa bravoure, un gros travailleur, nous quitte en laissant un grand vide, comme je vous l'ai toujours dit, ce vide dont nous nous reconstruisons aujourd'hui. Nous nous abstenons à cause de deux, par la croyance de Allah et par la garantie de la loi, puisque nous sommes des garants de la loi. Sinon, nous avons devant nous un grand vide à cause de la disparition de la tragédie de notre cher Bakary. Repose-toi en paix, mon cher, cette terre que tu as tant servi. Nous te resterons toujours gravés dans notre mémoire. C'est l'âme qui est partie, qui est toujours avec nous et on ensemble. Je vous remercie. Au fait que je l'ai amené à la police, comme le temps presse, je vais vous épargner de vous citer ces rêves. Je vais me camper sur trois faits seulement. Puisque, comme il dit que c'est moi qui l'ai amené à la police, moi aussi je dirais que toutes les promotions que j'ai eues à la police, c'est grâce à Paul Moussa. On a rappelé tantôt dans son circuit professionnel qu'il a été le directeur de la police de l'air et des Français. Eh bien, à ce poste, c'est moi qui l'ai remplacé. Pour le remplacer là, le déraciner là, ça a été très difficile. Mais à l'âme du président Nansa Makonté, il ne voulait pas le lancer de ce temps. Paul de Moussa s'est déplacé. Il a fait comprendre au feu président Nansa Makonté que l'homme qu'on venait de nommer à sa place, c'est comme s'il était encore là. Et que c'est moi qui l'ai amené à la police. Je suis son frère. On a tout fait ensemble. On a été à Prague. On a partagé la même chambre à Prague. Et partout, on montait, on descendait. Tout le monde connaît nos rapports. Et il n'a jamais cessé de le dire, de le proclamer partout. Ceci étant, il a expliqué à toutes les autorités de l'époque, notre ancien directeur général ici, il est aussi présent aussi aujourd'hui, on l'a personne de Pancarte Sabo, et il peut le témoigner. Paul Moussa m'a assisté quand je dirigeais la police de l'air et des frontières. Il a été à ma côté, il a été mon conseiller. Ceci étant fait, quand j'ai été nommé comme consul général à Guéda, j'ai eu des problèmes à Guéda. Paul de Moussa, il a fait appel à Elaj Mour Naïté, un commissaire de police, un contrôleur de police. C'est lui qui me l'a présenté. Car Paul de Moussa m'a présenté Naïté Mouri et m'a présenté Mfangi Sissoko. C'est à travers lui que j'ai connu les deux. Et ces deux-là ont fait la police à Paul de Moussa. Bref, je suis à Guéda, j'ai des problèmes. Paul de Moussa apprend ça. Il fait appel à Naïté. Et dit Naïté, notre frère a des problèmes à Guéda.
est-ce que tu peux aller le secourir là-bas? Immédiatement, Mornaïté a pris l'avion, il a débarqué à Guéda. Il a réuni nos concitoyens à Guéda. Il leur a parlé et il leur a rassuré. Donc ceci étant, je voudrais, puisque le temps presse, monsieur le ministre, avec votre permission, rappeler seulement un fait qui a chagriné Fode Moussa, de son lit de malade. Quand ils ont supprimé le poste de directeur général au sein de la direction de notre département. Ah, que cela l'a chagriné. Il nous a appelé, il nous a demandé de faire un mouvement dans ce sens pour attirer l'attention des hautes autorités sur les raisons de ramener ce poste. Et voilà, Couché, prêt à rejoindre son dernier demeure, dans sa dernière demeure, ce poste-là revient au sein du département. Ah, s'il pouvait encore s'émerveiller autour de ça, il l'aurait fait. Et c'est pourquoi, monsieur le ministre, je voudrais saluer votre bravoure pour nous ramener le poste de directeur général au sein de notre département. Et pour terminer, je voudrais souhaiter à celui qui assume aujourd'hui ce poste tout le succès possible, lui tendre la main et lui demander de se servir de ce que Fode Moussa a semé pour pouvoir diriger avec brio ces nouvelles fonctions. Je vous remercie, monsieur le ministre. Le temps presse. On m'indigne pour que je cesse de parler. Excusez-moi. Zida. Mais nous pensons que la tombe n'est pas plus redoutable que le berceau, car elle ouvre, elle aussi, sur un monde. Alors pour toi qui étais croyant, il ne fait pas de doute qu'une nouvelle vie commence. Une vie sereine, délivrée de la douleur, qui reste là et nous étreint. Car comment te quitter sans pleurer, sans regretter le Père aimant et adorable que tu as toujours été? Nous sommes inondés de tristesse et de compassion. Dans ce train qui t'emporte, il y a tout un wagon de pensées et de fleurs que nous t'offrons, mais nous gardons ton rire, ta bonne humeur et ta gentillesse pour toujours au fond de notre cœur. Nous adressons nos vifs remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont manifesté leur compassion, les parents, les proches, les amis, alliés, les collaborateurs, la police guinéenne, la coopération marocaine, le gouvernement et singulièrement, monsieur le président de la République, le professeur Alpha Condé, reposant paix, cher Fode Moussa Sylla, fils de Comte Bala Sylla et de Bala Fatou Sylla, nous nous reverrons, nos tac papa. C'était le mot qu'il disait. Merci. Monsieur les membres du groupe politique du RPG Arc-en-Ciel, mesdames et messieurs, au moment où le corps de feu brigadier chef Bakary Demba Camara quitte notre capitale pour son Ourékaba natal, où il rejoint dans sa dernière demeure les familles Camara, Mansaré, Sylla, Sangaré, Savané, Sow, Diallo, Dem, Bari. Par ma voix, me charge de vous adresser leurs sincères remerciements pour cette grande mobilisation et cette marque de sympathie suite au décès de leurs frères, fils, neveux, Bakary Demba Camara, cruellement et sauvagement arraché à notre affection en mission d'État. Nous croyons fermement que notre justice fera toute la lumière sur ce crime odieux. Nos remerciements vont également à tous ceux qui, de près ou de loin, ont compati à notre douleur et nous ont accompagnés dans cette douloureuse épreuve. Qu'ils en soient vivement remerciés. Nous saurons terminer cette allocution sans remercier sincèrement Son Excellence, Monsieur le professeur Alpha Condé, chef de l'État, président de la République, pour la promptitude avec laquelle son gouvernement a réagi à l'annonce du décès de notre frère. Que Dieu le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. Je vous remercie. Thank you.
Tout le monde est photo.